Alors, où allons-nous aujourd'hui, Kim? Nous allons sur l'île de Bréhat. Ouais, on va prendre le bateau et se diriger juste là. Alors, le parking de l'embarcadère de l'île de Bréhat, il est gratuit hors saison. On y a laissé Néauvent. Et... jusqu'au 29 avril. Voilà, donc gratuit jusqu'au 29 avril. Donc, pas tout à fait hors saison, puisqu'on est déjà dans le printemps. Vraiment super joli par ici. Alors on a pris le circuit à l'envers en fait. La plupart des touristes sont partis sur la droite quand on est arrivé sur le port. Et nous on a décidé de se le faire à l'envers. N'est-ce pas monsieur Kim? Exactement, tout à contresens. Voyage à plein temps, le nez au vent et à contresens en plus de ça. Il y a des vaches sur cette île. Bonjour mesdemoiselles. Ça rumine, ça rumine. C'est beau la Bretagne. J'adore aussi, enfin on adore leurs maisons. Toutes les maisons quasiment, elles ont des petites tourelles, des petits trucs particuliers sur les fenêtres. Je vais vous montrer ça. Les petits trucs comme ça, c'est trop mignon. Il y a des fleurs partout. Alors on appelle l'île de Bréhat l'île aux fleurs apparemment. Moi je croyais que c'était Madère. L'île de mes origines, l'île portugaise. Mais apparemment, l'île de Bréhat, ça s'appelle aussi l'île aux fleurs. Je crois qu'il faut aller à gauche. Hein. Ah oui? Ah oui. Donc on va se diriger vers la chapelle Saint-Michel, qu'on aperçoit tout en haut. Enfin là, on ne peut pas la voir. Et la croix de Maudèze. La déchetterie aussi. Et la déchetterie, voilà. On fait un tour complet, à l'envers. Bon, maintenant on va grimper la chapelle. Et on va manger là-haut parce qu'on commence à avoir faim. Il est à peu près 13h, je crois. Alors ? Cette visite de l'île de Bréhat. On a fait une très très belle rencontre, Edmé Fly Roots, une musicienne qui compose elle-même ses musiques. Et voilà, elle a joué un petit air pendant que nous déjeunions à l'ombre de la... enfin, pas à l'ombre, mais à l'abri du vent, de la petite chapelle Saint-Michel.
actuellement sur la côte nord de l'île de Bréa, sur l'île nord, pardon, de l'île de Bréa, et c'est somptueux. Les gens sont sympas, on a vu un petit papy qui était sur son vélo. Bonjour. Bonjour. Mais alors Kim nous annonce qu'on ne peut pas accéder au chemin des douaniers qui se trouve par là-bas. Peut-être qu'on est dessus en fait, je sais pas, à vrai dire, on connaît pas et... Soit il y a un autre chemin plus au niveau de la côte, on est sur le bon. On va voir. Donc là il est 15h à peu près, on est à la moitié de l'île Nord et on aimerait bien aller jusqu'au bout, au dernier phare. Comment il s'appelle déjà? Le phare du Pan. Le phare du Pan. Et le truc c'est qu'après on doit faire demi-tour et arriver avant 18h pour le dernier, la dernière traversée en bateau. Donc on speed un peu. En tout cas c'est une superbe expérience. Magnifique journée. C'est une magnifique journée, beau temps et tout. L'île de Bréa vaut vraiment le coup, surtout hors saison là. C'est la meilleure période, je pense, fin mars. Parce que il y a très peu de monde et c'est le printemps. Franchement, c'est... Les fleurs commencent à naître. Ouais, ah, c'est magnifique. On vous le recommande à 100%, vraiment. Alors voilà, on s'est séparés avec Kim parce que j'en avais marre de suivre la route toute faite en fait. Et j'ai voulu m'emprunter un petit sentier. Et je voulais partager avec vous sur quoi je suis tombée en m'écartant un petit peu de la route. Nous avons la statue d'un religieux. Je ne sais pas tout à fait qui c'est. Le jardin, c'est comme s'il n'avait plus jamais été entretenu. Il y a une petite source d'eau, il y a beaucoup, beaucoup d'araignées, des ronces par milliers. On dirait qu'il y a une autre statue au fond, plusieurs même. Ouais, il y en a trois. Et il y a donc écrit « Je suis Riom d'Armor et d'Argent, d'Argoa, pardon. Passant, pose un cœur sur ce carcan d'épines, je guiderai tes mains à tisser des voiles d'amour, de lumière diaphane, à l'océan, à toute l'humanité. » On suppose que le morceau, ici, doit être manquant. Voilà. On va s'approcher des autres petites statues que je n'avais pas encore vues. J'espère que je ne vais pas me faire piquer par quoi que ce soit. Il y a trois petites statues. 1, 2 et 3. J'ai l'impression qu'il y a encore des trucs derrière. Est-ce que je joue les aventurières et je m'avance? Je ne sais pas. Je sais pas, je vous dis, j'ai vu pas mal d'araignées. Je suis pas arachnophobique, mais pour moi, c'est chacun chez soi, en fait. Voilà. Je ne tue pas les insectes, mais que chacun reste dans son univers. Hein. Et du coup, je vais retourner sur la route bien pavée, bien délimitée. Tu peux répéter ce que c'est? Ça, c'est des genêts scorpions. Des genêts scorpions. Ça pique sévère. Hein. Par contre, c'est joli. Testons. C'est pas dangereux si je me pique? Ça peut irriter un peu. Mais... Ah ouais, c'est costaud. Hein. Il vaut mieux pas tomber dedans. Ça y est! On n'était pas sûr d'y arriver, messieurs, dames. On a lutté. On a marché. Et on arrive au phare du Pan, qui est à l'extrême nord de l'île, l'extrême nord-ouest, non, nord-est de l'île. Et honnêtement, j'ai les jambes bien bien fatiguées déjà, et puis il va falloir redescendre à pied. Il va falloir redescendre, je disais donc. Et il y a à peu près 40 minutes de marche, donc ça va, pour redescendre, ça va être cool. Là, c'est parce qu'on l'a fait à la cool, on a pris le temps, on a fait des photos, des vidéos. Mais et la petite sœur de Kim nous l'avait dit, il vaut mieux y aller avec des vélos. On a préféré pas payer le surplus sur le petit bateau pour emmener son vélo. Mais on regrette pas, hein, mais ça a l'air spongieux, Kim. La chaussure est mouillée. Mais laisse tomber, Kim! Ah bah là, c'est foutu, j'y suis. Ah bah moi, j'y suis pas, donc j'y vais pas. Non, non, j'ai des chaussures blanches. Elles le sont encore et je vais essayer de les garder comme ça. Bon, voilà, j'ai marché dans, ça y est, dans les marais. Ici, plus exactement. J'ai les pieds trempés et boueux. Rien n'essaye de passer, c'est la galère. Mais c'est magnifique. J'ai choisi un autre itinéraire. Il y a des cailloux,
Hop là, hop là. Hop là, hop là. Attends-moi, Kim. Avec ses grandes jambes, il avance super trop vite. Ça y est, on est arrivé au bout du bout, on est au niveau du phare. Le phare de Pan, à l'extrême nord-est de l'île de Bréhat. Ouais. Ça fait quelques kilomètres de marche quand même, mais ça fait du bien. Ça vaut le coup. Alors là-bas, un peu plus en avant, il y a des marécages. Je me suis enfoncé dedans, vous avez dû voir ça. Mais ça vaut le coup, c'est vraiment très beau. Il y a plein de petits rochers, c'est un peu rose la couleur. Et c'est magnifique. La météo a été avec nous jusqu'au bout. J'espère que vous aussi. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à nous dire qu'on ne connaît pas. Des connaissances à nous apporter sur l'île de Bréhat qu'on aurait pu louper. Et n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. On vous dit à très bientôt pour des nouvelles aventures et de nouveaux voyages. Prenez soin de vous.